La main droite vers le trône de Dieu et commence à réclamer le règne de Dieu parmi nous ce soir encore. Réclame le règne de Dieu. Le Seigneur Jésus a dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est dans les cieux, il va avancer vers la fin, il dit, que ton règne vienne. Dis Seigneur, que ton règne vienne ce soir sur ma vie, sur ce programme. Que ton règne vienne dans ma vie, Seigneur. Que ton règne vienne dans tous les aspects de ma vie. Élève la voix et commence à prier ton Dieu. Pour vous qui nous suivez en ligne, prenez une clé sur vous à la maison et déposez devant la table. Priez le Seigneur. Réclame le règne de Dieu. Je ne t'ai pas demandé de murmurer. Dis, réclame le règne de Dieu. Manta pray. Appliquez plus. Allez-y, prends. Voilà. Manta randebe de gouts. Merci. Nande ramanda godo shinde brede ganta santa vada godo brede gede shinde bra. Réclame le règne de Dieu, réclame le règne de Dieu, réclame le règne de Dieu, réclame le règne de ton Dieu. Inda gavada sokoto brede mante wede godo. Inda brede godo sinta vada ga. Oui, réclame le règne de Dieu sur ta vie. Réclame le règne de Dieu dans tous les domaines de ta vie. Nous sommes en train de prendre les portes de l'année.
Nous sommes en train de prendre les portes de l'année et dans tous les domaines de notre vie, nous devons prendre les portes spirituelles. Mante brede kata sikiti bayanta badaga. Indeve de godo sikata ranta badago. Réclame le règne de Dieu, réclame le règne de Dieu, réclame le règne de Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire de sakata brede kidi bada santa badaweta. Merci Seigneur. Nous allons ensemble adorer le Seigneur. Juste un instant. Nous allons célébrer et adorer le Seigneur. Merci Seigneur. Linda Bray, les rôles de Chidi Badawanda, Gala Sinta Badawa. Linda Bram de Rouge. Mon cœur soit fait de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Je viens de toi, 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 Seigneur, nous avons besoin de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Mon cœur a soif de toi, je m'attends à toi, je m'attends à toi, je m'attends à toi, je m'attends à toi. Alléluia. Reçois toute la gloire, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous te magnifions, Père. Nous glorifions ton nom, Seigneur. Nous t'adorons. Béni soit ton nom, Jésus. Nous t'adorons. Oui, adore le Seigneur. Pense à ton Jésus, pense à ton Dieu, adore-le. Connecte-toi à son esprit, parce qu'on passe n'est ni par la force, ni par l'intelligence, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Adore-le, adore-le. Seigneur,
Seigneur, c'est vrai. Tu feras le chemin de la ténèbre. Tu es la lumière du monde. Ce soir, nous voulons te dire merci pour ta présence avec nous. Et nous prions, Seigneur, que ton règne soit pleinement parmi nous ce soir. Là où nos yeux n'arrivent pas à voir, Seigneur, que tes yeux fassent ces mystères. Là où le son de notre voix ne peut être entendu, Seigneur, nous te prions, Père Céleste, dans le nom de Jésus, que ta voix parle en notre faveur. Oh Seigneur, je voudrais te prier que l'atmosphère soit prophétique ce soir. L'atmosphère soit haute, prophétique ce soir. Oh Seigneur, merci. Nous croyons que tout ce qui est physique n'est la manifestation, n'est que la manifestation de ce qui est spirituel. C'est pourquoi ce soir, nous voulons poser des actes dans le physique et que le spirituel enterre, l'accepte, la critique à la gloire du Père pour notre épanouissement sur la terre de ses hommes. Merci Seigneur. Prends le contrôle. Assis-nous. Conduis-nous. Au nom de Jésus. Merci pour tes bienfaits. Que toute l'honneur, la gloire et la magnificence te reviennent, Père. Dans le nom de Jésus. Gloire à ton nom, 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 Jésus. La Bible déclare que tu as paru pour détruire les œuvres du diable. Nous voulons te dire merci, Seigneur. La parole nous enseigne que nous ne subissons pas des événements, mais nous les provoquons. Et ce soir, nous voulons provoquer les événements à notre faveur. Nous avons besoin, Excellence, de ta poussée. Nous avons besoin de ton onction. Nous avons besoin de ta force. Nous avons besoin que tu inspires toutes choses. Merci pour chacun de nous ici présents. Et pour ceux qui nous prennent aussi en marche en ligne. Esprit de Dieu vivant, visite leur vie, visite leur maison et visite chacun de nous ici présents. À toi la gloire, Seigneur, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Gloire. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, mes amis? Alléluia, 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 alléluia. Est-ce qu'un instant tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia, 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 alléluia. Le plus de cris de victoire, plus de cris de victoire. Plus de cris de victoire, et alléluia, et gloire à Dieu. Alléluia. À toi la gloire, Seigneur. Oui, dis-lui victoire, dis-lui victoire, dis-lui victoire. Dis-lui victoire, rends-le gloire, rends-le gloire, rends-le gloire. Rends-le gloire pour ta victoire. Oh, au son de tes cris de victoire. Des ennemis t'entendent. Des ennemis ne t'entendent pas. Je dis, tes ennemis ne t'entendent pas. Rie plus fort que ça. Et dis-leur que tu arrives. Amen. De façon tu cries, ils ne t'entendent même pas. J'entends, ouh, il faut laisser ça. Crie comme le peuple d'Israël a crié pour que les murailles de Jéricho soient renversées. Crie ta victoire pour l'année qui s'annonce. Tu anticipes ta victoire en proclamant les louanges du Seigneur, en l'acclamant de tout ton cœur. Disant à tes ennemis, les années antérieures m'avaient dupé, mais cette année je sais. Alors je viens contre vous en acclamant mon Dieu. Frère, il y a des acclamations qu'on adresse au Seigneur pour lui dire qu'il est bon, il est grand. Et il y a des acclamations qu'on adresse à Dieu pour dire à l'ennemi qu'on arrive en tant que des victorieux et des conquérants. Plus personne ne vient ici après elle. Le culte est à 19h. Amen.
Donc tu vas pousser ton cri de victoire, ton cri de joie. Imagine qu'on t'annonce, après ce programme, une nouvelle que tu attendais depuis longtemps et qui vient à pic devant toi. Tout ce que tu ne peux que faire, c'est tressaillir de joie et de crier ton Alléluia au Seigneur. Imagine qu'on t'annonce que le fiancé qui te cherchait depuis longtemps t'a retrouvé, a retrouvé ton adresse. Imagine que le Saint-Esprit te dise, ce soir, je dépose tes entrailles l'enfant que tu cherchais. Imagine-toi que Dieu te dise, regarde, tes documents qui t'ont bloqué par rapport à ton voyage ont été délogés de là où ils étaient. Imagine-toi que le Saint-Esprit te dise que ce que tu attendais, voilà, il est à portée de main. Quel sera ton cri de joie? Lève la voix et pousse, et Alléluia. Pousse tes cris de joie. Yeah! L'atmosphère est au prophétique ce soir. Élève donc ton esprit et connecte-toi au Saint-Esprit. Il va te faire naviguer. Il va te faire voyager. Tu vas partir pour revenir. Sois disposé, libère ton cœur. L'atmosphère est au prophétique. Il va te faire partir et te ramener. Hey! Manda kata bread. Indebede kanda na raya kata na raya. Ikende shakata bread. Iyanda ko. Hey! Hey! Ce moment n'est pas pour les téléspectateurs. Ce moment n'est pas pour ceux qui sont venus constater. Ce moment est ceux qui sont prêts à naviguer dans le spirituel du Saint-Esprit. Il va t'envoyer. Vous irez. Vous reviendrez. Il va témoigner de ce qu'il aura fait dans ta vie. L'atmosphère est favorable. Que ton âme et ton esprit soient disposés. Élève ton cœur vers le trône de Dieu. Et dis au Saint-Esprit, envoie-moi. Je veux te suivre. Esprit de Dieu vivant, envoie-moi. Fais-moi voyager. Donne-moi de voir. Donne-moi de toucher. Ouvre mes yeux et donne-moi d'entendre. Lève la voix et dis cela au Saint-Esprit. Lève la voix et dis au Saint-Esprit, fais-moi voyager, je veux bouger. Envoie-moi. Donne-moi de voir. Donne-moi d'entendre. Donne-moi de toucher. Donne-moi de procéder.
Mande ke de brada mama yandaga. Dans cette atmosphère, je vois des gens qui guérissent leur maladie. Des gens qui commencent à guérir. Des gens qui commencent à guérir. Dans cette atmosphère, il y a la guérison. 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 Oui. Dieu se détruit les vieux. Donne-moi de rentrer dans la part de mes ennemis. Donne-moi de le posséder ce soir. Hey. Hey. Naïe tata yaganda breka. Suri kidi mande breka. Hallelujah. Anda rande sa. Merci excellence. Merci excellence. Merci excellence. Merci excellence. Merci pour la présence. Merci Seigneur. Merci pour tes saints anges. Oh, qui descend dans ce lieu. Merci infiniment excellence. Merci. Nom de Dieu des bras. Oh, la gloire est à toi. Et descend dans la gloire de chez les montagnes. Inna bada wolo seke de bre de gang de santa babaya. Inne branda mada wolo sinde be de gang de branda sa kanta badaya. Inne be de wolo suki di bre de manda suki di bayan da kanda bada go. Inna bada go suke de bre de kanda randa mana ya kada da mama ya. Inne be de wolo sinde bre de bayan da wolo sa kata ya kata bra. Hey, the mother of the son of the car. Woo! Merci, Seigneur. Te remercions, Seigneur. Reçois la gloire. Reçois la louange. Reçois la célébration. Woo! Merci, Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui agit en Agada Wanda Sakada. Glorifions Jésus. C'est le Saint-Esprit qui agit en cette vie. Dans ce beau pays, hey. Dans ce grand pays, dans le monde entier, le cœur sans péché, les maladies, comme il y a Jésus,
agit dans cette vie, dans ce continent, dans ce continent, dans le monde entier, la cœur sans toucher. Même à glorifiant Jésus, sur le Saint-Esprit qui agit dans cette vie. Je ne sais pas dans quelle disposition tu es venu ce soir. Ouvre tes yeux, regarde-moi. Touche-la. Tu chantes, ferme les yeux. Comment tu peux me suivre? Je ne sais pas dans quelle disposition tu es venu ce soir. Mais attends-toi à l'Esprit de Dieu. Je ne sais pas ce que tu as fait dans la journée et dans quel esprit tu es venu. Mais si ton cœur n'est pas ouvert, ton esprit n'est pas ouvert, je te dis, le Saint-Esprit va te faire voyager. Il va te faire partir, te faire revenir. Il va t'ouvrir les yeux, il va te montrer des choses. Ce soir, tu vas prendre la porte des ennemis comme jamais tu l'as pu auparavant. Parce que lui, il va t'accompagner. Si lui, il est devant, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que de suivre le mouvement de son esprit? Et ce soir, dispose ton cœur à recevoir de sa part. Je sens que l'atmosphère n'est pas favorable à la maladie. C'est pourquoi la maladie quitte les corps de quelqu'un ce soir. Je ne sais pas comment tu es venu dans ton corps, mais Dieu te guérit ce soir. Il brise les chaînes de la maladie et te restaure profondément. Dis avec moi, merci Excellence. Merci pour ta présence. Merci pour tes bienfaits. Cher gouverneur, nous nous soumettons à toi. Esprit, âme et corps, sois le maître incontesté de ce moment. La Bible me dit que tu es omniprésent, omniscient et omnipotent. Sous tes ailes, je veux voyager, je veux voir et posséder la porte de mes ennemis, ouvrir des portes antiques qui sont restés fermés depuis des siècles. Ni la puissance par mon esprit, dit le Seigneur. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Par mon esprit, dit le Seigneur, ce n'est pas par la force ni la puissance, par mon esprit, dit le Seigneur, ce n'est pas par la force. Oui, c'est par le Saint-Esprit. C'est lui qui va te faire ce travail excellent, ouvrir des portes. Juste te regarde vers lui. Cette montagne. Cette montagne. Cette montagne. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera.
mon esprit, je vois des portes. D'un âge légendaire. Cette porte-là est comme fermée. Assurément, c'est pour des personnes. Mais le Saint-Esprit convainc mon cœur que ces portes-là vont s'ouvrir. Et il y a des choses à l'intérieur qui te reviennent de toi qui ont été confisquées. Mais ces portes-là vont s'ouvrir. Manta kindi manta balaga. Oh non, ce n'est pas par ta force, mais le Saint-Esprit va l'ouvrir pour toi parce que tu vas le demander. Il va ouvrir ses portes. Ce n'est pas pour toi seul. Mais regarde ta famille entière. Ta famille entière a attendu ce moment depuis longtemps. Elle a attendu ce moment depuis longtemps. Mais c'est pas mon souvenir. Manta sake de mandaya. Inda kanta mante kantaka. Ce que tu as vu jusqu'à présent n'est rien par rapport à ce qui vient. Inda kata mamaya kanta sa. Inda babaka. Maya. In the Rada Kunde Santa Badada Mamayan Tabadada. In the Rada Koda Sinte Vedekam Tebedeka. Je vois des anges qui sont descendus jusqu'à cette porte là. Ils sont descendus jusqu'à cette porte pour l'ouvrir. Yan de Kanta Mamamaya de Kanta Mamaya de Kanta. Hey, the Santa Maya Kete Vedekata Mamaya. Oh, the Santa Mamamaya de Kete Mamaya. Inda kata sinte branta branta mala. Inde sakata yom de brede kata mama 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 ya. Prépare-toi à commander que des portes s'ouvrent. Tu vas libérer ce soir des générations d'enfants, des générations de familles. Tu vas commander que des choses sortent. Des portes vont s'ouvrir, frère. Soeur, des portes vont s'ouvrir. Tu as tant tourné en rond, je dis des portes vont s'ouvrir. La puissance de Dieu va ouvrir des portes en ta faveur. Attends-toi à Dieu. Papa,
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ces portes toujours fermées. J'ai vu un mouvement angélique vers ces portes. On te prête à croire qu'ils attendent que tu donnes l'ordre ou que les données changent. C'est pourquoi pendant un instant, nous allons lire quelques promesses de la parole du Seigneur et tu vas poser ton action dans le prophétique. Oh. Il y en a qui n'espéraient même pas pouvoir se marier d'ici peu. Ils n'espéraient pas se marier d'ici peu. Dans la perspective, quand tu se regardes, quand tu vois autour d'eux, c'est des années après. Mais je t'annonce que les choses viennent plus vite vers toi que tu ne le penses. Aïe, aïe, aïe. On va prendre la parole du Seigneur. Nous avons 3 points de prière. Nous allons prier pour ces points-là. Ils allons arrêter pour ce soir. Mais reste dans la connexion de l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Le premier point de prière, c'est que Dieu a dit à Père Abraham que tes descendants posséderont la porte de leurs ennemis. Genèse, chapitre 22. Verset 11. Genèse chapitre 22, verset 17, précisément. Genèse chapitre 22, verset 17. Il dit, je te bénirai et je te multiplierai, ta postérité
comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Est-ce qu'il y a un fils d'Abraham en ces lieux? Galates chapitre 3, verset 29. Galates chapitre 3, verset 29. Il dit après Abraham que sa postérité possédera la porte de ses ennemis. Donc ce point de prière est pour la postérité d'Abraham. Et voilà ce que Galates chapitre 3, verset 29 nous dit précisément. Verset 29. Il dit, si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritée selon la promesse. Si tu es en Christ, tu es la postérité d'Abraham, héritée selon la promesse. Et il dit à Abraham que ta descendance possédera la porte de ses ennemis. Ce soir, que tu entres dans cette dynamique et que tu possèdes la porte de tes ennemis. Amen. Lève-toi donc pour le premier point de prière. Dis avec moi, je suis de la postérité d'Abraham. La Bible déclare que si je suis à Christ, je suis donc de la postérité d'Abraham. Hérité selon la promesse. Et Dieu a dit à Abraham, Abraham, ta postérité possédera les portes de tes ennemis. La Bible m'enseigne que Isaac a possédé la porte de ses ennemis. Jacob a possédé la porte de ses ennemis. Aujourd'hui encore, Israël possède la porte de ses ennemis. Je suis à Christ. Et cette promesse, la postérité d'Abraham est pour moi. C'est pourquoi ce soir, au nom puissant de Jésus, je me lève contre toutes les portes de mes ennemis. Et je possède ces portes-là. Au nom de Jésus, je commande que la porte de la sorcellerie tombe sous mon pouvoir. Au nom de Jésus, je commande que la porte de la sorcellerie familiale tombe sous mon pouvoir. Je possède la porte des sorciers de la famille. Au nom de Jésus. Et dès ce soir, leur contrôle sur ma vie, sur mon travail, sur ma famille, sur ma vie spirituelle, sur ma prospérité, sur mon mariage. Car je possède la porte de la sorcellerie familiale. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je possède ces portes-là. Je possède ces portes-là. Dans les mains, commence à prier, prends autorité. Possède ces portes. Possède la porte de tes ennemis. Au nom de Jésus. Prends autorité sur la porte des ennemis. Qui sont-ils? Qui sont-ils? Prends autorité. Est-ce un mystique qui contrôle ta vie, qui contrôle ta santé, qui contrôle tes avoirs? Prends autorité. Possède la porte pour la foi. Déclare que tu es possède ma porte. Thank you.
Possède la force de l'esprit de mort. Au nom de Jésus. Possède la force du serpent chronique. Détruis cette porte. Prends l'autorité de cette porte. Au nom de Jésus. Possède la porte de tes ennemis. Ne ferme pas ta bouche. Possède la porte. Possède la porte de l'héritage démoniaque. Au nom de Jésus. Possède la porte de l'esprit de mort. Au nom de Jésus. Parce que tu ne vas pas mourir avant le temps que Dieu a fixé pour toi. Par l'autorité et contrôle la porte. Celui qui contrôle la porte a autorité. Il ne va pas. Amen. Alléluia. Dis avec moi au nom de Jésus. Rappelle-toi, frère. Samson a possédé la porte de ses ennemis. Et ils n'ont plus trouvé quelque chose à régler sur son compte. Leur projet de le détruire a avorté. Parce que les victoires s'acquièrent aux portes. Tu as laissé la porte et l'avantage à tes ennemis durant toutes ces années. Ils y passent, ils entrent pour attaquer. Mais si tu as la porte sous ton autorité, par quelle autre porte passeront-ils? Dis avec moi, par la puissance du Saint-Esprit. Par l'autorité du Saint-Esprit. Je déclare que j'ai autorité sur la porte de mes ennemis. Ce soir, j'ai autorité sur la porte de la mort prématurée. J'ai autorité sur la porte de la pauvreté. J'ai autorité sur la porte de la confusion sentimentale. Je déclare que j'ai autorité sur la porte de tous mes ennemis, même au service. J'ai autorité sur la porte. Même dans la rue, j'ai autorité sur la porte. Même au quartier, j'ai autorité sur la porte. Même dans la ville, j'ai autorité sur la porte. Ce soir, je prends la porte de mes ennemis. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je prends la porte de tous mes ennemis. Que ton cœur soit en harmonie avec ce que ta bouche déclare. Et que ta foi soutienne ce que tu es en train de dire, frère. C'est par quelle porte ils entrent et ils sortent chaque fois. Troublant ici ta vie. Troublant tes finances. Troublant ton mariage. Cherchant toujours à te ramener vers le bas. Dis avec moi au nom de Jésus. Et par la puissance du Saint-Esprit. Je possède la porte de mes ennemis. Au seuil de 2022, mon Kwame Augustin, en ce jour et en cette heure, par la puissance du Saint-Esprit, je possède la porte de mes ennemis. Je possède la porte de la pauvreté. Je possède la porte de la maladie. Je possède la porte de la mort prématurée. Du célibat, de la stérilité, au nom de Jésus, je possède la porte de la sorcellerie, au nom puissant de Jésus, sorcellerie familiale, côté paternel, côté maternel, dans le nom de Jésus, je possède vos portes, je contrôle vos portes, au nom de Jésus. De la même manière que Samson a possédé la porte des Philistins, ce soir, je possède la porte de mes ennemis. Au nom de Jésus, désormais, plus de point d'accès,
entre eux et moi. Au nom de Jésus. C'est pourquoi je maudis la pauvreté. Je maudis la maladie. Je maudis le cancer. Je maudis le sida. Je maudis la folie. Dans le nom de Jésus, je maudis le tout mental. Au nom de Jésus, je prends autorité sur le non-accomplissement. Au nom de Jésus, je combats le retard. Le retard. Le retard. Au nom de Jésus, et je commande que l'enfant qui tenait cette porte-là soit lié. Maintenant, qu'il soit lié par les anges de Dieu, qu'il soit lié. Lis-le. Je vais voir tes mains en train de lier. Lis-le. Lila, faut pas jouer avec eux. De la tête aux pieds, qui soit lié, vécu et puissant. Tandis de dire pour toi que. Alléluia. Seigneur, tu as dit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Ce soir, je mets cet homme fort sous mes pieds. Je marche sur son règne. Au nom de Jésus. Que ce soit un esprit humain. Que ce soit un homme ou une femme. Je le mets sous mes pieds. Au nom de Jésus, ce soir, je déclare que j'ai autorité sur l'enfant de la famille qui s'est levé contre ma vie. Au nom puissant de Jésus, quelle que soit sa source, oh, forêt, cimetière, arbre, lune, étoile, soleil, au nom puissant de Jésus, je te mets sous mes pieds. Amen. Dis à ton voisin, deuxième point de prière. Apocalypse, chapitre 3, verset 7, nous lisons. Oh, les guerriers, il faut un peu, on s'assoit un peu. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui est la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne peut fermer, ou personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Il y a un.
C'est le même qui a dit dans Apocalypse au chapitre 3. Non, après chapitre 1. Allons au chapitre 1, verset 8. Là, il dit, il a la clé de David. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. C'est qui? C'est qui? C'est qui? C'est qui? Et la Bible déclare que tu es en alliance avec ce Jésus-Christ par son sang. Ce qu'il a eu comme victoire est ta victoire. S'il a la clé pour ouvrir, tu as la clé pour ouvrir. S'il a la clé pour fermer, tu as la clé pour fermer. Jusqu'à présent, tu l'as laissé faire. Ils entrent, ils sortent, ils entrent, ils sortent, ils ouvrent comme bon le semble. Mais ce soir, rappelle-toi de ces passages, parce que ton libérateur, ton sauveur, le puissant de Jacob, celui qu'on appelle le plus beau parmi 10 000, le soleil de la justice, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il a vécu, il dit, j'ai la clé entre mes mains. Alors, Apocalypse chapitre 3, 1 verset 8, s'il te plaît. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Continuons. Allons rapidement verset 18 pour gagner en temps. Dis à ton voisin, deuxième point de prière. Est-ce que tu crois vraiment que les portes des ennemis sont entre tes mains? C'est ta foi qui va faire la différence. Car là où nous sommes actuellement, nous sommes dans une logique purement de foi. L'autre côté, c'est la logique de la peur. La peur, il crée la peur pour tyranniser, pour maîtriser. Mais ici, c'est la foi. C'est bon. Il dit, j'étais mort et voici, je suis vivant au service des siècles. Je tiens les clés de la mort. Et il dit, séjour des morts. C'est encore qui? Jésus. Alléluia. Ton Jésus est trop faible. Il dit, c'est encore qui? Jésus. Hein, quand il dit Jésus, tu penses à lui vraiment? Comment tu le vois maintenant? Ce petit Jésus dans une crèche avec mon mari et pas Joseph. Juste à côté, il y a des animaux. Oh, c'est ce Jésus-là que tu vois? Non. Non, plus haut, il dira. Quand il a regardé, ses yeux étaient comme des flammes de feu. Sa chevelure était comme toutes les étoiles du ciel y étaient rassemblées. Le timbre de sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Son corps était bronzé, comme du bronze enflammé par le feu. Il dit qu'il a vu ce personnage, il est tombé comme mort, parce que Jésus était terrible. Il dit, calme-toi, c'est moi Jésus, j'étais mort et je suis vivant. Serviteur, regarde, je tiens la clé de la mort et du séjour des morts entre mes mains. Désormais, plus question pour mes saints de descendre au séjour des morts. Ils vont directement à ma présence, parce que j'ai le pouvoir d'ouvrir, le pouvoir de fermer. Frère, c'est une affaire de clé. Dis avec moi, c'est une affaire de clé. Soulève ta clé ce soir. Une onction a été appliquée sur la clé. Frère, je demande au Seigneur que cette clé que tu as en main ait une dimension spirituelle ce soir. Peut-être pour toi c'est un jeu. Mais actuellement nous ne sommes pas au stade de jouer. Ce que nous faisons actuellement, ça tombe ou ça tombe. Donc la clé que tu as en main, lève-la, présente-la au Seigneur. Seigneur, tu as la clé. Dis à Dieu, tu as la clé. Toutes les clés sont entre tes mains ce soir. Que la clé que je tiens symboliquement entre mes mains ait une valeur spirituelle dans le monde. Afin que lorsque je vais ouvrir, que les portes s'ouvrent. Quand je vais fermer, que les portes soient fermées. Et là, la voix est présente la clé au Seigneur. Le Saint-Esprit a déjà touché. L'onction de Dieu a déjà touché cette clé. Présente ta clé au Seigneur. Présente ta clé au Seigneur. Présente ta clé à Dieu. Tu vas poser une action prophétique ce soir. Indabalago do Sintabra. Indekete shakata mante bredeka. Indebedeko do sukoto bredekanta radaka. Hitata yakata mamabaya. Hekata prata yakata mamaya. Seigneur, que cette clé, oh, dans le monde spirituel, Seigneur, et il va être puissante, Seigneur, pour ouvrir des portes, pour ouvrir des portes, en nous donnant le mystère, les clés du royaume, Seigneur, les principes,
les mystères du royaume, tu nous l'as donné. Ce soir, nous voulons par la foi ouvrir des portes. Ouvrir des portes avec cette clé que nous avons en main. Car nous sommes là pour prendre 2022, Seigneur. Nous sommes là pour ouvrir des portes, ouvrir des greniers, ouvrir des trésors, ouvrir des trésors cachés. Nous sommes là, Seigneur, pour récupérer. Et kata sakata breta. Merci Seigneur. Maintenant, déclare avec moi ces paroles d'autorité et de victoire. Vous savez, les anges de Dieu obéissent au son de la voix de l'Éternel, au son de la voix de la parole de Dieu. On dit qu'ils sont puissants, ils sont redoutables. Et eux, ils obéissent à la parole de Dieu, à la voix de la parole de Dieu. Quand tu donnes une voix à la parole du Seigneur et que tu le relâches dans l'atmosphère, ils sont heureux de se déployer pour l'exécuter. Car telle est la tâche qui a aussi été assignée par Dieu. C'est pourquoi sur la base de la parole de Dieu, tu vas déclarer avec moi. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Selon le psaume 23, verset 1. Apocalypse chapitre 3, verset 7 déclare. Voici ce que dit le Saint. Le véritable. Celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Père Céleste, mon Kwame Kwame Augustin. C'est vrai qu'on est ensemble. Le Seigneur tient de ta personnalité. C'est pourquoi on n'est pas honte de dire ton nom. Que l'atmosphère entende ton nom. S'il y a un petit nom qu'on t'a donné au village, tu ajoutes ça dessus pour leur dire que c'est toi. Parce que tu viens de en haut pour qu'ils ouvrent les portes qu'ils ont fermées. Il y a des trésors qui ont été engloutis par la sorcellerie. Physiquement, tu vas traîner, tu vas tourner, pauvreté va te tuer. Pourtant, ils ont enterré ces choses. Et la terre est témoin de ces choses. Tu vas commander que la terre s'ouvre et que les trésors sortent en ta faveur. Et je t'annonce qu'en 2022, tu vas voir la main du Seigneur t'accompagner. Des opportunités vont commencer à s'ouvrir devant toi. Aussi fait que tu vas commencer à travailler, tu vas commencer à te lever pour faire des choses, le ciel t'accompagnera. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Au seuil de 2022, mon Kwame Kwame Augustin, je déclare que l'Éternel est mon berger. Je tiens désormais la clé de David. Je tiens désormais la clé de David. Je tiens désormais la clé de David. Que toute porte de bénédiction qui était fermée dans ma vie s'ouvre pour 2022. Mantayaka, mantaka. Il y en a qui ouvrent comme ça. Ouvre. Nous sommes dans une atmosphère prophétique. Si en faisant comme ça, tu as fermé, ouvre. Au nom de Jésus. Porte de la bénédiction qui est restée fermée sur ma vie depuis toutes ces années. Au seuil de 2022, je te commande. Je te commande, ouvre-toi, au nom de Jésus, au nom de Jésus. L'Éternel est mon berger. Santé, 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 ouvre-toi, au nom de Jésus. Travaille, ouvre-toi, au
promotion. Promotion. Ouvre-toi. Au nom de Jésus. Mariage. Ouvre-toi. Au nom de Jésus. Enfantement. Enfantement. Biologique. Comme spirituel. Ouvre-toi. Au nom de Jésus. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je commande que les portes de la santé qui étaient fermées s'ouvrent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je commande que les portes de la prospérité qui a été fermée s'ouvre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, tu vas continuer de prier. Tu vas commander que les portes s'ouvrent. Frère, ouvre ces portes. Entre dans ce château et ouvre les portes. Ouvre-les. 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 Ah, pour vous qui avez beaucoup de clés, ouvrez-les. Ouvre les portes, ouvre ses portes, ouvre les portes de la bénédiction. L'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. L'Éternel est ton berger, la santé est pour toi, la vie est pour toi, la joie est pour toi. Ouvre la porte de la joie, 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 ouvre la porte du succès, ouvre la porte du succès. Ouvre la porte, au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'ouvre la porte, j'ouvre la porte, j'ouvre la porte, et quand t'as hier, quand t'as pris des cas. Et que t'as pris des mamas, y'a des cas. Je ne sais pas si c'est pour encourager quelqu'un, mais je voyais un coffre de, qui n'était pas en terre, qui était au-dessus, sur la surface. Et je voyais comme un ruban qui tient un peu sur le blanc rosé, qui était comme ça dessus. Et Dieu demande à quelqu'un d'ouvrir ce coffre. Je ne sais pas si d'autres personnes l'ont vu. Celui qui l'a vu, c'est que le coffre est pour toi. Je le vois encore dans mon esprit. Frère, ce temps que tu poses est hautement spirituel. Rentre dans cette dimension. Peut-être que tu ne l'as jamais fait.
Mais ça commence un jour et ça va continuer de se poursuivre. Il faut que le coffre la s'ouvre. Oh, il faut que le coffre la s'ouvre. Ah, peut-être pour toi, c'est là où ça est, là, c'est bon comme ça. Non. Il y a plus que ça. Tu as demandé au Saint-Esprit de te conduire. Seigneur, je veux ouvrir ce coffre. Je veux ouvrir ce coffre. J'ouvre ce coffre-là au nom de Jésus-Christ. Pendant que tu as la clé en main dans le spirituel, il y a un mouvement angélique qui se fait à ta faveur. Alléluia. Dis avec moi, l'Éternel est mon berger. Porte. Ouvrez-vous. Porte la bénédiction. Ouvrez-vous pour 2022. Au nom de Jésus. Promotion. Concours. Voyage. Mariage. Fécondité. Soyons en esprit, frère. Il y a non, c'est un arbre. C'est un arbre qui est là posé. Mais dans le spirituel, il y a une porte d'accès. Tu as la clé en main. Qu'est-ce que tu fais? Ta manière de prier me fait bizarre, frère. Dis avec moi, l'Éternel est mon berger. Ce soir, par le Saint-Esprit, que tout le coffre qui m'appartient, qui a été confisqué, que tous mes documents administratifs qui y sont s'ouvrent et sortent là. Au nom de Jésus, l'or, les diamants, les pierres précieuses, les contrats qui ont été confisqués. J'ordonne que ce coffre s'ouvre. Maintenant, ouvrez-vous. Au nom de Jésus, ouvrez-vous. Au nom de Jésus. Tu as eu des révélations de la part du Seigneur où tu as vu des choses sorties de terre. Mais est-ce que ces choses ont été ouvertes que tu les possèdes? Ce soit l'opportunité de donner, de demander au Saint-Esprit d'ouvrir et que ces choses sortent et que tu en sèves effectivement. C'est avec moi, l'Éternel est mon berger. Je déclare que je ne manquerai de rien. En cette année nouvelle 2022, il est mon berger. Il est ma provision. Il est ma protection. Alors ce soir, je commande que toutes les portes de bénédiction qui sont restées fermées jusqu'à ce jour, portes de bénédiction, dites impossible, ce soir, j'ouvre au nom de Jésus, mon Jésus, mon Seigneur, il tient la clé de David. Il a dans ses mains la clé de la mort et du séjour de mort. Ce qu'il ouvre, personne ne peut fermer. Ce qu'il ferme, personne ne peut ouvrir. En son nom, j'ouvre les portes qui sont restées fermées depuis des siècles dans toute la famille. À cause de ce que ces richesses ont été vendues aux démons, aux esprits des eaux, aux esprits des forêts, aux esprits des astres, ce soir, au nom puissant de Jésus, je commande que ces portes-là soient ouvertes. J'ouvre ces portes-là. J'ouvre ces portes. J'ouvre ces portes. Au nom de Jésus, j'ouvre ses portes. Au nom de Jésus, j'ouvre ses portes. Au nom de Jésus. Moi, mais je suis plus élevé que vous. Regardez-moi bien. 2022, là, ne dites pas que une, là, ça couche à tes papas, ça ne descend pas d'elle. C'est même sur moi actuellement, là. Je dis, ouvre la porte. Au nom de Jésus. Cette nuit, papa, je te prie. Ouvre les yeux de quelqu'un. Amen. Et qu'il voit les richesses que tu as réservées pour sa vie, mais dont tu ne pouvais pas jouir depuis longtemps.
C'était comme bloqué. Embargo dessus. Mis en terre, la forêt quelque part. Et toi, sur la terre, tu luttes. Pas pour vivre, mais pour survivre. Dis avec moi, au seuil de 2022. Je déclare de tout mon cœur. Je déclare de tout mon cœur que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Tous mes contrats, tous les contrats qui devaient être signés par moi, qui ont été confisqués, ce soir, je libère ces contrats. Je libère mes enfants. Je libère mes finances. Je libère mon entreprise. Ah, il y en a ici qui ont pensé à faire entreprise, mais ils commencent à oublier le projet. Ce n'est pas à cause du Seigneur. Ce n'est pas que Dieu n'est pas d'accord avec, mais ce sont eux. Ils l'ont bloqué. Dont ton zèle et la flamme de le fer s'éteint au fur et à mesure. Mais ce soir, le Saint-Esprit renouvelle la flamme. Au nom de Jésus, je commande que mes différents contrats viennent jusqu'à moi. Je commande que mes terrains, maisons, voitures soient libérés. Dans 2022, ouvre-toi à mes bénédictions. Au nom de Jésus, je déclare que mon mariage est certain. En 2022, je me marierai, j'enfanterai, j'avancerai. Au nom de Jésus, je refuse la pitié. Je condamne la honte. Je brise de l'état. Et je marche vers la gloire. Que 2022, mon Dieu, mon Dieu, ouvre les portes nouvelles pour ma vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Commence à ouvrir les portes qui n'ont pas été nommées. Ce que Dieu met à ton cœur, ouvre les portes. La clé toujours en main. Ouvre les portes. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je l'offre. Et quand la bataille, je la porte de cette église à la multiplicité des âmes venant de toutes les nations. Au nom de Jésus. J'ouvre les portes des nations à cette église. J'ouvre les portes des nations haïtiennes France. J'ouvre les portes des nations dans cette nation de Côte d'Ivoire. J'ouvre les portes de cette église à la nation ivoirienne. Aux étrangers, aux enfants de Dieu. J'ouvre les portes. J'ouvre les portes. Au nom de Jésus, qui couvre la présence du Père. Père qui a dit, vient du nord, du sud et de l'est, de l'ouest, de l'orient, du midi, du septentrion. Qui vient, qui vient, qui vient, qui vient, qui vient. J'ouvre les portes. J'ouvre les portes. J'ouvre les portes. Viens d'avoir la garde à santé de l'eau. Et quand t'as y'a garde à sa garde à bête. On t'a dit que dans la famille, il y a des choses qui ont été enterrées. C'est l'occasion pour toi de dire au Seigneur, pour 2022, que 2022 ouvre ses portes et que tous ces trésors-là soient relâchés en ma faveur. Ah, à moins que la vie que tu mènes maintenant te plaise. Sinon, dis au Seigneur, il faut que les données changent en 2022.
Les portes soient ouvertes. Les portes soient ouvertes. Les portes des tombeaux ou des grâces ont été conditionnées. Que les séducteurs relâchent les grâces qui ont été mises en leur sein. Mante près de Sakata, mante de l'Oda. Dieu avec moi, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je déclare qu'en cette nouvelle année, spirituelle 2022 répond à mes aspirations. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'annonce des grandes choses sur ma propre vie. Pour 2022. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à dire merci à Dieu. Rends gloire au Seigneur. Rends gloire au Seigneur. Rends gloire au Seigneur. Rends gloire au Seigneur. Thank you.